Je suis Théophile Durier, j'ai 25 ans et je viens d'achever mon VIA au service économique régional à l'ambassade de France à Yaoundé. Comme tous les matins, je prends le taxi pour me rendre à l'ambassade. Le seul bémol, c'est qu'aux heures de pointe, ça bouchonne et ça ne blague pas, comme on dit ici. Après 5 ans d'études à Sciences Po Bordeaux, j'ai rejoint le service économique régional en novembre 2017. Le service économique régional dépend de la Direction Générale du Trésor. Ses principales missions sont le suivi de l'évolution macroéconomique et financière de sa zone de compétence et le conseil aux entreprises qui souhaitent s'installer ou qui sont déjà implantées. Salut Théo, ça va ? Thibaut, qui est conseiller financier, suit les questions macroéconomiques dans la zone. Il échange régulièrement avec les banques, les fonds d'investissement et les bailleurs de fonds. Françoise est conseillère sectorielle. Elle est chargée de rencontrer et de conseiller les entreprises françaises. Mes missions consistent principalement à conseiller et accompagner les entreprises françaises dans la zone de compétence du service, rédiger des notes d'analyse des principaux secteurs stratégiques et organiser des rencontres, des réunions avec les professionnels. Mon VIA m'a permis d'effectuer de nombreuses missions et de travailler sur des sujets très variés. Dans l'est du Cameroun, j'ai pu effectuer une visite du barrage de Lompangar avec l'ambassadeur et une équipe de l'AFD. À Garoua, dans le nord du Cameroun, j'ai visité les infrastructures de la Sodécoton afin de rédiger une note sur le secteur cotonnier et examiner les pistes d'aide française possibles. À N'Djamena, après un retard de 30 heures d'avion en raison de l'atterrissage de l'avion présidentiel, j'ai rencontré la plupart des chefs d'entreprise français opérant dans le pays ainsi que les bailleurs de fonds. Je me suis également déplacé à Malabo pour rencontrer la communauté d'affaires française afin de mieux cerner leurs difficultés et obtenir des informations sur le climat des affaires. Mes 2 ans passés au service économique m'ont permis de renforcer mes compétences, notamment la diplomatie, par la défense et la promotion des projets français. La rencontre régulière de chefs d'entreprise, de diplomates et de hauts fonctionnaires m'a permis de développer mon aisance relationnelle. Enfin, l'étude de secteurs d'activité très variés dans plusieurs pays d'Afrique centrale a été l'opportunité de mettre à l'épreuve mes capacités d'adaptation. Je travaille avec Théophile Durier depuis 2 ans. Il est volontaire international en administration, mais en réalité, il est au service économique et il s'occupe d'accompagner les entreprises. Donc, il est volontaire international au service des entreprises, mais un peu comme s'il était volontaire international multi-entreprise. Ça signifie aussi qu'il est le point de contact pour traiter des difficultés. Là, je prends un exemple qui est de la situation des arriérés de l'État dues aux entreprises françaises. Les entreprises françaises au Cameroun connaissent bien Théophile puisqu'elles ont reçu souvent ces questionnaires. Il aura réussi à faire progresser les dossiers parce qu'il a du doigté et de la persévérance. Ces deux des qualités qu'il faut pour réussir à traiter ces sujets. Il est rapide, il est consciencieux, il sait définir des objectifs importants et déployer l'énergie qu'il faut pour essayer d'obtenir les résultats nécessaires. Théophile aura vraiment été un très bon représentant de la communauté des volontaires internationaux au Cameroun. Mon VIA au Cameroun a aussi été l'occasion de découvrir ce pays qu'on surnomme l'Afrique en miniature par la diversité de ses cultures et de ses paysages. Les ondes ont gagné.